Il paraît qu'on peut fabriquer des guitares en Lego. On va voir tout ça avec Sébastien qui est chargé de projet à l'UTBM. Bonjour Sébastien. Alors bonjour. Alors oui, bah, elles sont juste devant nous là. Ça ressemble pas vraiment à une guitare. Hein. Alors un petit peu quand même. Hein. manche, un bloc effectivement. Donc là effectivement c'est un atelier qu'on propose dans le cadre du FIMU et parce qu'en fait on a ouvert sur Belfort l'Innovation Crunch Lab, donc il y a un Fab Lab ouvert à tout le monde. Et là l'idée c'est de sensibiliser les enfants, de leur faire une initiation à la programmation de robots et notamment avec ce robot Lego où là en fait ils vont programmer une guitare. Donc jouer des sons en fonction de la distance avec le capteur qu'on va manipuler sur le long du manche de la guitare. Tout ça avec des Lego en fait là ? Oui, tout à fait, c'est donc des Lego, Lego technique, et puis avec ce bloc Mindstorm qui est un petit peu spécial. Et voilà. C'est donc, quoi un bloc Mindstorm ? Alors c'est un petit ordinateur Lego voilà, qui il va pouvoir se connecter à des capteurs, à des moteurs. Donc là, en l'occurrence, un capteur à ultrasons. Et puis que les enfants vont pouvoir programmer sur leur ordinateur et vont envoyer ce programme sur l'ordinateur qui va ensuite réaliser ce programme. Bon, merci beaucoup Sébastien. De toute façon, si on a envie de voir à quoi ça ressemble, on vous met la vidéo sur la page Facebook de France Bleu Belfort Montbéliard. Là, dans l'heure qui va suivre, il y a Gabriel qui est là, qui est super motivé hein, pour ses ateliers. Bonjour Gabriel. Tu as quel âge ? 10 ans. Alors Gabriel, toi tu as participé à l'atelier guitare, mais tu as aussi fabriqué l'atelier bonbon. Il paraît qu'on peut faire un orchestre en bonbon. Comment ça marche ça ? Bah, on fait un programme sur un ordinateur. Et puis après, avec quelques câbles, et ben bah, on branche sur la queue des bonbons. Et sur... comment ? Oui. Comment ça marche sur la queue des bonbons ? Bah, en fait, le bonbon, qu'est-ce qu'il sert à quoi dans cet orchestre ? Quand on appuie sur le bonbon et en même temps qu'on touche un câble, et ben. Ça marche, ça fait de la musique ? Oui. Et est-ce que chaque bonbon a une sonorité différente ou pas ? Oui. C'est vrai ? Oui. Le crocodile aura une sonorité différente que la fraise ? Oui. C'est vrai qu'il est en train de raconter là, Sébastien Gabriel ? Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, c'est avec un petit kit électronique où. Donc on branche des bonbons effectivement à différents câbles qui vont être reliés à l'ordinateur et puis chaque bonbon va être comme une touche de l'ordinateur, du clavier et donc on va pouvoir relier un son différent, où là on faisait un instrument différent pour faire un petit orchestre contrôlé par des bonbons. Bon et ça t'a plu ? Oui. Ok. Et tu t'en vas là ? Tu veux qu'on fait du film ou pas ? Oui. Ça te plaît ce film ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît ? Bah la musique. Ouais. À manger. Ah ouais, ça, bah voilà. Je crois et les que... ateliers. Et les ateliers, bien évidemment. Bah voilà, je crois que Gabriel vient de résumer en trois mots le FIMU de la